Salut, c'est Tokyo Nojo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous parle d'un truc qui vous intéresse et qui vous intrigue dans la culture japonaise. C'est Oni. Oui, en français, c'est un ogre. Certains d'entre vous ont déjà vu ces statues, ces images et ce kanji. Mais on ne sait pas vraiment ce que c'est. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble qu'est-ce que c'est les Oni. C'est parti. Qu'est-ce que c'est Oni? Oni, c'est un yokai, donc c'est une créature issue du folklore japonais. L'étymologie de Oni, c'est Onu. En japonais, ça signifie quelque chose qui se cache en vivant dans une autre dimension. Oui, Oni, c'est souvent une chose qui fait peur aux humains. Et surtout, leurs histoires légendaires existent dans toutes les régions du Japon. En général, quand les Japonais pensent à Oni, on imagine tout de suite un ogre rouge avec des deux cornes et des dents pointues. Parce qu'au Japon, on trouve souvent ces statues dans les contes japonais, dans certains temples bouddhistes, même sur les paquets de chips. Vraiment partout au Japon, quand on cherche Oni sur internet, évidemment on trouve tout de suite cette image d'Oni. Oui, mais dans l'anime, Oni c'est toujours comme ça. Urusei Kusuwaki, Kurosuzo. Mais oui, bien sûr, il n'y a pas qu'un seul type d'Oni. Alors, il y a quoi comme autre type d'Oni? Dans la légende au Japon, il y a vraiment énormément de types d'Oni et chacun sa propre spécificité. Comme je disais, le Oni le plus connu, c'est l'Oni rouge. Il est représentatif du désir, des pulsions. Voilà les trucs qui ne sont pas très catholiques. Et un autre Oni, par exemple, c'est Amano-Jaku. Amano-Jaku, c'est un Oni qui peut lire dans les pensées des autres. Et il se moque des humains en imitant leur attitude. Mais de nos jours, on utilise assez souvent ce mot. Mais pourquoi alors qu'il n'y a pas de yokai? Parce que si on rencontre quelqu'un qui contredit toujours les autres, qui fait exprès de ne jamais être d'accord avec les autres, on l'appelle Amano-Jaku. Voilà, c'est une petite insulte courante au Japon. On prend quelqu'un pour un ogre. Et un autre exemple, c'est Gaki. Pour ceux qui étudient le japonais, je suis sûr que vous avez déjà entendu ce mot. Oui, ça veut dire « môme » en japonais. Gamin dans le langage familier ou quoi. Mais en fait, ce mot vient d'un type d'oni. Gaki, à la base, c'est la réincarnation d'un homme qui a vécu toute sa vie dans le luxe et qui n'a jamais pensé aux autres. Et dans l'enfer, comme il n'a pas fait de bonnes choses dans la vie, il est devenu Gaki. Mais depuis longtemps, on ne sait pas pourquoi, on utilise ce mot pour insulter les gamins. Moi, quand j'étais petit, les voisins m'appelaient jamais ni garçon, ni Joe, ni Gaki. Ils m'appelaient Kuso Gaki. Au moins, il n'avait pas tort. Hein. Et même jouer à chat, on dit Onigoko en japonais. Et voilà, aujourd'hui, on utilise souvent des noms d'Oni pour insulter quelqu'un ou désigner quelqu'un. Comme on sait maintenant qu'il y a plein de types d'Oni méchants, on comprend pourquoi chaque année, début février, on voit souvent des petits écoliers japonais qui se tiennent devant la porte de leur maison en disant Oniwa Soto. Ça veut dire l'ogre sort dehors en jetant des graines de soja dehors. Et ensuite, en criant Fukua Uchi. Ça veut dire le bonheur vient à la maison. En jetant des graines de soja à la maison. Ça, on le fait plusieurs fois pour éviter les malédictions et amener le bonheur dans la maison. Du coup, à la fin, il y a des graines de soja dans la rue et dans le couloir de la maison. Ah oui, je suis sûr qu'il y a des Français qui disent ça, c'est du gaspillage alimentaire. C'est pas bien. Il faut arrêter ça tout de suite. Le gaspillage, mes couilles. Si tu dis ça, vas-y, ramasse les graines de soja par terre. Hein. Et c'est toi qui les bouffes, connard. En tout cas, ça, c'est la tradition au Japon. Et malheureusement, les adultes ne font pas ça. Bah, il y a que des petits qui font. Et moi aussi. Du coup, on se pose souvent la question, les Oni, ce sont toujours des ennemis? Il n'y a que des méchants? La réponse, c'est non, pas forcément. Comme je disais, il y a plusieurs types d'Oni. Dans la légende, il y a aussi des Oni gentils. Un des Oni gentils connus au Japon, c'est Sankichi Oni. C'est un Oni qui aime bien boire de l'alcool, comme moi. Il habite dans la montagne, mais quand il descendait dans les villages, il allait au bar traditionnel japonais. Et évidemment, il buvait du saké. Mais il ne payait jamais l'addition et il rentrait chaque fois dans sa montagne. Attends, il y a la suite, hein. Un jour, un vendeur lui a demandé de payer. Et ce Oni a tué le vendeur. Ah non, il y a encore la suite, hein. Mais si on le laissait sortir sans lui demander de payer, le lendemain, il y avait des trésors devant la porte de ce bar. Voilà, il est gentil. Peut-être qu'il est maladroit, mais il est gentil. Dans la légende, il a tué un homme innocent qui lui a demandé de payer l'addition. Mais en général, un mec qui aime bien boire de l'alcool et qu'il remorce de l'argent à la fin, il y a que des cools, hein. C'est mon avis personnel, hein. De où vient les Oni? Au Japon, on raconte les histoires comme si les Oni avaient réellement existé. Il y a des histoires sur les Oni qui ont fait ça et ça. Mais normalement, on ne trouve nulle part des ogres. C'est pas possible de trouver un type rouge avec des deux cornes et tout. Mais selon les chercheurs en l'histoire, il y a plusieurs théories. Théorie 1, un enfant mal formé. Dans les peintures anciennes, ils disent qu'ils ont trouvé une créature qui ressemblait à un humain, à qui il manque un œil, ou il était trop grand par rapport aux humains et tout. Du coup, comme les humains à l'époque, ils étaient pas très cultivés, c'est possible qu'ils aient pris ces enfants
enfants-là mal formés pour des monstres. C'est horrible, mais c'était à l'époque quoi. Je crois qu'en Europe aussi, il y a longtemps un enfant naissait sans bras ou avec un seul oreille, on le traitait pas comme un humain. Et parfois on les vendait au cercueil tout. Et la deuxième théorie, ça c'est bien pertinent, c'est les occidentaux. Parce qu'il y a longtemps, même à l'époque de Kae, 1853, presque aucun japonais n'avait rencontré d'occidentaux. Donc comme la plupart des japonais n'avaient jamais vu leur visage auparavant, ils ont été tellement choqués lorsqu'un diplomate américain est venu au Japon pour l'ouverture du pays. Ils l'ont dessiné comme ça. C'est pas très loin d'Oni, non? Comme l'histoire des Oni existe depuis super longtemps, donc il y a encore plus longtemps. C'est peut-être possible que les japonais ne traitaient pas vraiment les occidentaux comme les humains à l'époque, voilà, il y a super longtemps. Je suis pas raciste, hein. Comme l'Oni le plus connu, c'est l'Oni rouge, qui a deux cornes. Une autre théorie, c'est qu'ils étaient des vikings. Parce qu'ils étaient bien bronzés à cause des coups de soleil, lors de leur long voyage en bateau, ils avaient peut-être un casque avec deux cornes. Mais attends, 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 de la Norvège jusqu'au Japon. Sérieux, c'est hyper loin. Et les vikings ne portaient pas forcément un casque avec des cornes. Donc cette théorie, c'est moins sûr. De toute façon, c'est bien possible que les japonais traitaient des occidentaux comme, voilà, des oni. Et à la fin, je te parle des temples où tu peux trouver des oni au Japon. Attention, je te parle pas des occidentaux et les enfants mal formés, hein. Les vrais oni ou quoi, selon les temples. Mais ça existe ce genre de temple. Dans certains temples au Japon, ils gardent des corps d'oni. Dans la préfecture de Tokushima, il y a un temple qui s'appelle Kikotsuji. Du coup, ça veut dire oni, os, temple. Ils gardent une dent d'oni et une corne d'oni. Dans la préfecture d'Oita, il y a une momie d'oni qui mesure 2 mètres. Waouh! Je sais pas si c'est un vrai oni. En tout cas, c'est une momie quoi. Mais bon, ils sont vraiment disposés comme ça en tant qu'oni dans les temples au Japon. Donc voilà, aujourd'hui j'ai parlé de plein de trucs à propos des oni. J'espère que vous avez bien aimé et que vous êtes encore curieux de connaître l'histoire des oni. Allez, c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous et partagez la vidéo s'il vous plaît. Salut!